D'abord pour être lorrain, donc voisin de l'Allemagne, du Luxembourg et de la Belgique, dans ces systèmes parlementaires, on ne nomme pas forcément la coalition arrivée en tête quand elle n'est pas majoritaire. Et dans ces cas-là, quand il n'y a pas de majorité évidente, on recourt à un préfigurateur, on recourt à un négociateur. Qui est issu de la coalition arrivée en tête. Pas forcément, pas toujours. Je vous invite à regarder ce qui se passe en Belgique, par exemple. En ce moment même, d'ailleurs. Mais le sujet n'est pas là. Revenons en France. Quelle est la situation au soir de l'élection? Au soir de l'élection, il n'y a pas de gagnant. En voix, c'est le Rassemblement national. En nombre de sièges, c'est le Nouveau Front populaire. En tout cas, personne n'a de majorité. Et si on regarde le sens politique du vote, parce que ce qui est sûr, c'est que les Français veulent un changement, que la majorité sortante est battue. Plus que cela, même, ce que veulent les Français, on en parlera tout à l'heure, de cette défiance. Et ça, personne ne l'a contesté. Mais en même temps, le sens du changement, lui, il n'est pas clair. Ce que veut le Nouveau Front Populaire, ce n'est pas ce que veut le Rassemblement National, ce n'est pas ce que veut la droite républicaine. Donc, mais Emmanuel Macron, quand vous l'avez au téléphone, puisque vous êtes quand même relativement proche d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il vous dit au sujet de Matignon? Je galère, j'arrive pas à trouver la bonne personne. C'est quoi le problème? Emmanuel Macron, il est garant des institutions, il exerce l'article 8 de la Constitution. Ça veut dire qu'avant tout, ce qu'il cherche, c'est une solution durable. Si le but... C'est, comme on disait sous les quatrièmes, de purger l'hypothèque, c'est-à-dire de dire « je nomme quelqu'un qui n'a aucune chance », comme ça on peut constater qu'elle n'a aucune chance, ce qui est le cas Castex. C'est irresponsable. C'est irresponsable parce que ça a été dit, on est juste avant un double débat budgétaire. Débat budgétaire avec nos partenaires européens sur l'assainissement des finances publiques du pays, et débat budgétaire, comme le prévoit la Constitution, à l'Assemblée à partir du premier mardi d'octobre. Aussi bien sur le budget d'État que sur celui de la sécurité sociale. Donc à un moment donné, il faut que le gouvernement ait toutes les chances de ne pas être renversé. C'est ça ce que recherche le président à travers ses consultations. Et évidemment qu'il prend le temps d'entendre les positions des différents groupes parlementaires, qui censurerait-il, qui ne censurerait-il pas, et sur un gouvernement du Nouveau Front Populaire, a fortiori comprenant des insoumis, la position était large, on était à plus de 320 députés pour censurer ce gouvernement dès sa déclaration de politique générale. Donc il faut imaginer une personnalité avec une équipe qui puisse avancer une série de propositions qui, alors, je ne crois pas, rassemble une coalition formalisée, mais ne rencontre pas la censure, et puisse pourquoi pas, texte après texte, trouver des majorités d'idées. Et je crois que le président arrive au bout de son chemin de consultation, et qu'il va... Les majorités d'idées, c'est Edgar Faure, effectivement. C'est un grand président du Parti Radical qui a utilisé cette expression, expression qui est chère à mon parti, hein, c'est évident, et qui est un fait aussi des démocraties parlementaires. Donc voilà aujourd'hui quelle est la logique dans laquelle, je pense, s'inscrit le président de la République. Il a dit qu'il terminerait ses consultations par la désignation d'une personnalité, donc il est conscient qu'il faut que ça se termine, mais je crois qu'il veut trouver la solution la plus durable possible et non pas emmener le pays d'une crise à une autre, si je puis dire. Une crise d'attente, qui, ça a été dit, est quand même à délai court si on se compare à nos voisins européens, à une crise cette fois-ci budgétaire, financière, qui impactera le niveau de vie des habitants, l'épargne des Français et qui impactera le fonctionnement des services publics. S'il n'y a pas de budget, là, c'est autre chose que d'attendre. Avant cela,